écrit sur le mur un texte du Coran qui me venait à l'esprit. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minin. Pendant les 12 ans que je suis resté en prison, je suis Saint-Gor maintenant n'est plus pour rien, personne n'est plus pour rien. Maintenant, c'est une affaire entre Dieu et moi. Il me faut prouver à Dieu que j'accepte la décision. En restant serein, en restant calme, en restant moi-même. Et en ayant de haine contre personne. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai été gracié par Saint-Gor, quand je suis arrivé, j'ai dit, maintenant, nous nous oublions tout, nous nous embrassons. Ça a été mon geste. Je n'ai pas de rancune sur le plan personnel, je ne peux pas avoir de rancune contre lui. Mais par contre, quand je vois ce qui s'est passé, ce que le Sénégal est devenu, après, à la suite, n'est-ce pas, de ces événements-là de 62, rien que pour des questions de pouvoir réparer pour lui, il s'agit tout simplement de prendre le pouvoir personnel, régner, n'est-ce pas, de façon personnelle, ce machin, sur le Sénégal, pour en arriver là. Et toutes les conséquences, n'est-ce pas, que cela a eu sur le plan de l'évolution de notre pays, alors que nous étions si bien partis, nous étions un exemple. Tu aurais pu faire tache d'huile à travers toute l'Afrique. Et peut-être que cet exemple-là aurait évité à l'Afrique tout ce qui est arrivé aujourd'hui. Nos nouvelles dépendances. Tout cela, je dis, ça aurait pu être évité. S'il n'y avait pas eu cet acte de folie de sa part, d'égoïsme de sa part, de décembre 1962. Alors je dis que ça, évidemment, c'est quelque chose que je ne peux pas oublier, que je ne peux pas pardonner.